Ami de la masse, un autre rowing dont je voudrais parler, c'est alors qui est encore plus rare. On ne sait pas à combien d'exemplaires les machines ont été faites. C'est les Gorbin Gentry. Alors Gorbin Gentry, on a déjà parlé dans la vidéo Art to Art, l'amour du risque avec Frank Zane, et que YouTube a eu l'amabilité de me censurer parce qu'on voyait en fond l'épisode et c'était violation de droits d'auteur. Alors que je voulais juste montrer une machine, alors j'espère que je vais trouver un moyen de la remontrer à nouveau sans violer les. Où on voyait à l'époque le second Gold Gym et puis cet épisode avec Frank Zane. Donc Zane s'entraînait sur une Gorbin Gentry APEC. Et là on trouve la Gorbin Gentry ado. Donc qui a une caractéristique pour l'époque. Donc lui, le gars de la vidéo, il dit qu'elle était fabriquée en vers 82. Donc précurseur, parce que tu remarques qu'elle est déjà. Alors elle n'est pas convergente, mais elle est circulaire. Avec une modulation de la charge. Et elle a une caractéristique particulière, cette machine, c'est que je me suis entraîné dessus quand j'étais jeune. Donc ça devait être en 86 ou quelque chose comme ça. Donc j'en ai un très très vague souvenir, surtout en. Qualitativement, mais ce que je me souviens, c'est que. Alors là, tu vois qu'il y a une pédale de débrayage. On va peut-être remettre la vidéo au début. Est-ce qu'on voit qu'il débraye? Voilà, on voit qu'il débraye. Et moi, bah, j'avais pas mis grand-chose, mais je pensais que j'étais fort, donc j'avais quand même chargé un peu. Tu débrayes, et là, la machine, elle t'arrache les bras, c'est la folie, quoi. Parce que tu le vois bien, le différentiel de force qu'il y a. Parce que tu vois, là, il n'y a plus beaucoup de charge, mais alors quand ça descend, c'est violent et ça t'arrache les bras. Moi, je me souviens, c'est le seul souvenir que j'ai de cette machine, c'est qu'elle m'avait arraché les bras comme c'était pas permis. Donc, machine ultra, ultra rare. Et avec une prise un peu spécial, enfin deux prises, là où il y a la prise qu'il utilise lui, et puis cette prise, une deuxième prise possible là, alors ils auraient pu l'entretenir un peu la machine, mais bon, remettre la poignée. Mais donc un stratagème qu'on retrouve un peu chez Flex, après, dans ce qu'ils appellent leverage, parce que tu vois que le mec tire pas directement sur l'axe. Il tire là, ça tire là, qui tire là, et ça tire sur l'axe. Et c'est là que tu vois que comment il y a un différentiel de force. Alors il y en a qui vont me dire, oh, mais comme c'est là, je peux te dire que le différentiel de force il est énorme. C'est la principale chose dont je me souviens. Donc, alors ça aurait été difficile qu'il soit convergent parce que comme il est tellement étroit, c'était peut-être pas utile de faire convergent, mais. Et je me souviens, c'est une machine qui est assez haute aussi. On se rend moyennement compte, mais le gars, tu vois, il est loin du sol, en fait, perché sur son siège. Donc voilà pour une Gorbin Gentry hyper rare.